Leçon 34. Vous êtes inscrite sur les listes électorales de votre commune ? Oui, je suis inscrite depuis l'âge de 18 ans. Et j'ai toujours voté pour exprimer mes choix politiques. Pourtant, je trouve que le monde politique va mal depuis plusieurs années. Ah non ! Les hommes politiques de gauche ou de droite sont tous les mêmes. Il y a toujours une différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils ne pensent qu'à leur carrière. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis plus inscrite sur les listes électorales. Bon, d'accord, c'est vrai que la politique m'énerve très souvent. Mais selon moi, c'est vraiment important de s'exprimer en votant. Alors, je vote régulièrement. Écoutez, j'ai déménagé l'année dernière et j'ai oublié de m'inscrire à la mairie, là où j'habite maintenant. Ce qui m'a empêché de voter cette année. Mais je vais le faire avant fin décembre. Les gouvernements changent, mais les problèmes restent les mêmes. C'est toujours pareil. Même si je suis toujours inscrit sur les listes, je ne vote plus. Ça ne sert à rien. Oh, j'aimerais bien. J'habite en France depuis 10 ans, mais je ne peux toujours pas le faire. Contrairement à mes amis, j'ai gardé la nationalité brésilienne. Vous êtes inscrite sur les listes électorales de votre commune ? Oui, je suis inscrite depuis l'âge de 18 ans. Et j'ai toujours voté pour exprimer mes choix politiques. Pourtant, je trouve que le monde politique va mal depuis plusieurs années. Ah non ! Les hommes politiques de gauche ou de droite sont tous les mêmes. Il y a toujours une différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils ne pensent qu'à leur carrière. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis plus inscrite sur les listes électorales. Bon, d'accord, c'est vrai que la politique m'énerve très souvent. Mais selon moi, c'est vraiment important de s'exprimer en votant. Alors, je vote régulièrement. Écoutez, j'ai déménagé l'année dernière et j'ai oublié de m'inscrire à la mairie, là où j'habite maintenant. Ce qui m'a empêché de voter cette année. Mais je vais le faire avant fin décembre. Les gouvernements changent, mais les problèmes restent les mêmes. C'est toujours pareil. Même si je suis toujours inscrit sur les listes, je ne vote plus. Ça ne sert à rien. Oh, j'aimerais bien. J'habite en France depuis 10 ans, mais je ne peux toujours pas le faire. Contrairement à mes amis, j'ai gardé la nationalité brésilienne. Prononcer. Exemple. Au contraire. 1. Oui. Même si c'est difficile. 2. Non. 3. Au contraire. 4. Mais non. 5. Pourtant, on est nombreux. Prononcer. Exemple. Au contraire. 1. Oui, même si c'est difficile. 2. Non. 3. Au contraire. 4. Mais non. 5. Pourtant, on est nombreux.